Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois encore, merci d'être choisi VOA Creole pour informer aujourd'hui, c'est jeudi 6 octobre 2022. Actualité apmené nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté réaction négative tombée. Après discours Premier ministre Ariel Henry qui lançait un appel au secours et de la communauté internationale devant une grosse crise qui a saccagé le pays. Correspondant nous dans Port-au-Prince, Yves Manuel gagne quelques grands points dans le discours. Pour une troisième fois, dans moins passé un mois, Premier ministre Ariel Henry adressé à la nation sous situation paysan qui vient aggraver après décision li prend pour monter prix gaz lan. Ariel Henry qui semblait poko gen solution admet situation grave en pile et pour combattre ça relé yon crise humanitaire sans pareil PM nan mande aide communauté internationale là. M'a demandé toute communauté internationale là. Tout pays ami Haïti yo pour yon pote coller ak nous. Aider nous combattre crise humanitaire ça m'a demandé aide accompagnement ak secours nous besoin yo ba nous toute qualité support qui nécessaire pour éviter moun mouri pa pile et pa paquet même Jean ak ancien feu président Jovenel Moïse chef gouvernement longe doit li sou yon ti groupe moun qui vle accaparer à tout prix toute recette l'état politiciens associés à gang et puis moun ki nan secteur privé a régler intérêt personnel yo prend pays en otage. Ariel Henry mande peplan kale jil. Ah, ouve genou. Nou pa ka camper garder grain bandi qui associé à quelques mauvais politiciens et quelques mauvais hommes d'affaires plonger pays nou nan katim bombé sans pareil. Jodia m'a bien lancé un appel solennel by tout peuple haïtien, by tout monde de bonne volonté pour nous faire tendre voix nous, pour nous mobiliser, pour nous rassembler, pour nous barrer la route à toute mauvaise envie qui pensait qu'on mettre tout un peuple à genoux et penser c'est seule route pour arriver prendre pouvoir. Contrairement à attente population qui a manifesté chaque jour pour demander sécurité, baisser la vie chère et surtout retourner sous décision monter gaz là, locataire primatien semblait camper red red sous décision ça. Nous pas qu'à prendre toute recette la douane pour servir un petit goût de monde et pour nous subventionner un grain de produit. Faut que nous connaissons, les nous baillent 50 à 60 milliards de goudes pour subventionner un seul produit dans un bénéfice d'un groupe monde, paraît être moyen encore pour nous aider maman et papa petit pour rentrer l'école là. Paraît être comme pour nous même songer bail une subvention pour faire prix manger baisser. Adresse à la nation ça qui dirait 7 minutes provoquer réaction bon côté membre dans population qui réaffirme volonté pour continuer fouler béton jusqu'à ce que Premier ministre Ariel Henry tende la raison. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Merci Yves Manuel. Effectivement, correspondant à Port-au-Prince, Massia Dovilme, tu parlais à quelques citoyens dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, là, sous discours. Temio, Frémio, chers compatriotes. Discours à Premier ministre Ariel Henry, mettait devant la nation haïtienne, là, dans la nuit mercredi 5 octobre, là. C'est preuve qui montrait à clair l'incapacité de gouverner le pays, là. L'élément des concours communauté internationale, là, dans la crise multisectorielle, pays a fait face, là. C'est opinion, quelques acteurs politiques dans la vie nationale, là. Elle a avoué qu'elle n'est pas capable. La police est cool. Ariel n'a dit c'est discours démission qu'elle va hier soir. Et parce que quand le peuple a pris note de ça, et le peuple a gagné, nécessité pour que lui aide Ariel démissionner, là que la prend mouvement, mais pire autour toujours, pour que là rapidement accepter la mère Ariel démission qui a l'air pas hier soir, qui est blanc pour pouvoir attester. Nous pensons que Père Ariel, à travers un discours, ça que lui-même lui prononcé hier soir là, trahison, c'est un acte de haute trahison que lui commet contre la nation. Là que c'est étranger l'a demandé pour venir bal support alors que la majorité de la population a manifesté ses mandés pour quitter le pouvoir parce qu'il pas capable. C'est un ensemble de ces missions qu'elle te gagne que lui-même n'est pas capable répondre ensemble avec eux, au lieu que pour t'achita avec toute classe politique là, avec toute société civile là, pour yota wè, soit li pour le alors pour ta remettre pouvoir, bah yo, li préféré demander aide avec international là. Ariel,
c'est une marionnette. Marionnettiste, yo utilise elle. Yo manière ça que marionnettiste yo dit vinn dit, c'est ça la vinn dit. Mais c'est pour bagaille qu'il vinn dit pour répondre à des hydratants. C'est là où des populations pour intensifier le mouvement de faire camper contre le gouvernement en place là jusqu'à ce que les revendications arrivent satisfaites. Mettez du feu, mettez sel, mettez piment dans le moteur mobilisation hein, parce que nous arrivons dans le dernier moment pour nous délivrer tête. Nous. Si nous ne délivrons pas tête, nous n'avons disparu. Même si dans quelques zones la vie voulait reprendre petit par petit pas, rentrer sur la capitale la rete barré à gros barricades, toujours dans le cadre de mouvement de faire camper qui démarrait en dans pays contre le pouvoir en place là. Et pour aujourd'hui, jeudi 6 octobre, le monde est capable de tendre des gros coups de balle qui tapent chanté dans la troisième circonscription Port-au-Prince, puis précisément Matisson et Fontamara. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vimé pour VOA Créole. Merci Massado. Nous allons dans Cap-Haïtien, deuxième ville pays à côté manifestation déroulée avec leader Petit Dessalines. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui lui-même rejeté appel trêve corps diplomatique Lamandéa. Gérard Maxino. L'idée parmi partisans, c'est partisans, yo, dans pied monument vertière, leader Petit Dessalines Moïse Jean-Charles, voyez jeter appel quelques ambassades dans le pays d'Haïti pour une trêve humanitaire. Ambassade Canada, nous t'en avons en fait trêve. Nous t'en avons la guerre. Selon Moïse Jean-Charles, la population haïtienne a bien plus passé 200 ans à souffrir. Sans aucun trêve. Ancien candidat à la présidence là mandé population haïtienne là pour capable continuer ak mobilisation dans pays là mais faut que t'a va ajouter un petit piment en plus. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la voix de l'Amérique. Toujours sous question appel corps diplomatique là correspondant à Port-au-Prince Renat Toussaint les mêmes les talgade qui gens population réagit par rapport à demande ça Renat Toussaint. Ce qui est rapport à préoccupation corps diplomatique là en Haïti notamment Canada, Union européenne, les États-Unis pour citer ça seulement qui souhaitait un couloir humanitaire établi dans terminal Varreux pour faciliter camion citerne à charger dans plus gros centre stockage produits pétroliers soulevé en pile réaction dans mitant citoyens et militants sociopolitiques dans la rue dans cadre mouvement levé campé qui déclenché dans pays ça presque gagne un mois pour dire non à augmentation prix carburant et pour réclamer démission Ariel Henry dans tête pouvoir n'a demandé ambassade ça yo qu'a fait ingérence dans politique pays à trêve avant parce que nous même qui dans la rue c'est pour la misère, c'est pour la vie chère, c'est pour question de gaz, nous pas dans la pompe, c'est ça qui mette nous dans la rue nous-mêmes. Monsieur Ariel Henry vini, les 50 gouttes de soleil en premier lieu, personne ne va dire rien. Malgré tes promesses que le tabac fait un paquet de bagages que le Paris fait, personne ne va dire rien. Pognal mette 64 dollars soleil en plus. Bon, on catégorie moun tout qui gagne zame dans le fait choix de. Il n'y a pas de peuple acheter, ça que m'appuyer. Ariel Henry voulait décider pour prendre gaz en bas. Babekou pas d'accord, pour même m'appuyer Babekou 100%. C'est l'international là même qui dit nous nous sommes là aujourd'hui. Nous prenons nous pas d'assip chipotal. Ce qui est important pour le corps diplomatique là en Haïti, c'est que le terminal Varreux doit débloquer
carburant doit sortir pour desservir structures sanitaires urgentes, notamment pour permettre de traiter plus rapidement possible qu'à couler rayon qui t'a dû arriver à zéro. Mais citoyens et militants dans la rue dit c'est pas ça qui solution. Solution c'est pour carburant tourner dans priorité avant ak fok premier ministre Ariel Henry démissionner. Parce que comme il y a pas demandé trêve, on croit pour trêve la passer, il faut qu'Ariel Henry aille pour toute activité reprendre dans pays parce que toute autre activité Ariel Henry pas aller pays a fait carré a fait carré problème nous même nous pas camper la bataille faut même tout te mettre pour mettre Ariel Henry a faut tout ça sortir pour dire Ariel Henry pas une place encore faut qu'on aller comme yo pas le ce soir sur revendication peuple là comme yo dit ces bandits qui dans la rue moun avec feuille bois yo dit ces bandits yo moun avec deux mains balancées aussi yo dit ces bandits yo moun qui avec bol blanche yo dit ces bandits yo et mais semaine qui va venir hein même jour ça fait au Burkina Faso nous même nous sont zèle de l'Afrique qui en a qui vivent en Amérique là sort frère nous yo Burkina Faso yo a fait nous même nous va commencer faire semaine qui va venir là. Pendant ce temps, la rue a levé Kanyak-Kanyak, jeudi 6 octobre 2021, secteur transport en commun, agro active business au ralenti, porte toute banque commerciale fermée. Où est-ce que vous pouvez ou à Créole, pas de presse. Et jeudi, en troisième mi-temps, on a pas accueilli Karel Peb, qui est une figure médiatique haïtienne, et avec un peu de plaisir, on a pas accueilli 5 tapants sous VO à Créole. Et puis, 52e Assemblée Générale OEA a continué dans la ville Lima, dans le pays Pérou, avec présence secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Valérie Saint. 52e Assemblée Générale Organisation État Américain OEA a continué jeudi à jeudi 6 octobre pour arriver demain vendredi 7 octobre dans la ville Lima, dans le pays Pérou. Représentants qui sortent dans 31 pays et régions viennent rassembler pour discuter et aborder thème 52e Assemblée qui c'est ensemble contre inégalité et discrimination. Objectif réunion, c'est assurer droit et opportunité égale pour femmes, travailleurs, groupes indigènes et descendants africains dans la région. Au côté par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé dans le pays Pérou pour participer à la 52e réunion Assemblée OEA. Côté que la présidée réunion ministérielle groupe révision application 9e sommet des Amériques là qui était faite dans Los Angeles. Les États-Unis à travers le secrétaire d'État Anthony Blinken rejoignent le pays Guatemala dans une déclaration qui a signé ensemble avec l'autre pays dans la région pour demander la Russie pour finir avec l'agression dans l'Ukraine. Solidarité organisation OEA et pays Ukraine rete critique parce que la Russie viole souveraineté, intégrité territoriale et indépendance Ukraine. Président ukrainien lui-même tout est participé dans 52e Assemblée OEA. Président Vladimir Zelensky mandé Assemblée générale organisation État américain pour bail pays li pi gros support dans bataille que l'a mené contre invasion la Russie. Pendant te parlé dans 52e Assemblée OEA depuis Kiev en vidéoconférence, Zelensky te dit que le connaît que dans quelques pays membres organisation opinion en faveur la Russie sous la guerre toujours dominant. Il était continué pour le dire, pour nation ça yo pas permettre que yo utiliser économie pays yo pour financer la guerre criminelle à crime la guerre que la Russie a commet yo. Li mande yo pour yo pas associer tête yo ak moun kap inévitablement gen pour yo condamné par communauté internationale là. Li mande plus support dans même membre organisation internationale OEA particulièrement dans vote dans Assemblée générale Nations Unies yo. Li dit tant pris supportez-nous dans voter pour condamner politique agressif la Russie. Li nan intérêt commun pour ne pas gen moun dans monde là qui capable commencer la guerre avec agression sur l'autre pays tant que la guerre a réussi déclenchée contre l'Ukraine. Pendant que l'Assemblée a déroulé, le gouvernement péruvien mettait gros système sécurité en place, côté que plusieurs milliers de la police étaient entourés sans convention côté que l'Assemblée a fait là, et autorités ont même détourné le transport public dans la zone. Nan. Cependant, Mézi Sao pas empêché plusieurs centaines de manifestants viennent protester devant le local là sous plusieurs problèmes, sorti dans manifestation contre avortement, avec manifestation anti-gouvernement, côté que plusieurs autres monde ont bandoule avec slogan et ont manifesté contre le président Nicaragua. L'autre point important qui discutait aujourd'hui dans la 52e Assemblée OEA, c'est une résolution que les États-Unis proposaient et que l'IPRAL dirigeait sous cas pays d'Haïti, sous insécurité, sous situation politique qui a dégénéré en Haïti. Dans l'Assemblée aujourd'hui, comme délégué pour Haïti, c'est l'ambassadeur Edmond Bouchit qui était prêt la parole. Les États-Unis, c'est un gros supporteur financier dans l'OEA et ils contribuaient plus passé 50% dans le budget annuel organisation État américain. Pour VOA Creole, dans New York. Dernière nouvelle concernant l'Ukraine, tu as connu ce temps de l'un reportage Valerio Seluya, un président ukrainien, qui est Volodymyr Zelensky, qui continue à réclamer assistance dans la communauté internationale là, pendant que l'armée de la Russie bombardait des maisons résidentielles dans Zaporizhia, qui trouvait dans la partie sud du pays Ukraine, d'après une source ukrainienne.
Serge Rodriguez. Cette roquette russe a tombé devant jour jeudi sur plusieurs buildings côté mon habité dans Zaporizhia, qui n'a pas tissu Ukraine. Action militaire russe posée dans sens a provoqué la mort d'un résident et blessé 5 autres pour Pipiti, dans une ville là tout près pour une installation nucléaire sur le continent européen, d'après le gouverneur région qui en bas contrôle l'armée russe là pour plus fort. En fait, le gouverneur Alexander Starouk écrit sur le compte Telegram pour dire qu'il est arrivé sauver un pile monde dans un building plusieurs étages. Parmi eux, un petit fille 3 ans qui a été mené à l'hôpital pour prendre soin. Gouverneur Saouk. Dans mon abdomen en nuit, l'ennemi a profité de lancer attaque à croquettes sur le quartier résidentiel. Il y a deux étages en haut, building nan qui détruit, et puis un très building nan crasé net. Il y a un résident en bas de brio. Nous avons déployé secouristes dans une zone nan sans perdre du temps. Les gens qui ont besoin soin ont fait tout ça capable pour aller résident en bas des combres, de quoi pour diminuer le calamol. L'ennemi a promis des actes la terreur contre une population paisible. Nous pourrons qu'un bête tinkantink avec eux parce que nous pourrons remporter la victoire. Tout le bagage pourra retourner dans l'état normal, dans l'Ukraine. Au commencement, le gouverneur Alexandre a rapporté deux cas la mort, mais il était venu dire après ça qu'une femme lui était pensée qu'il était mort, et bien le docteur a fini par sauver la vie d'Amsila. Silla. Attaque à Kouket Sayo tombé quelques temps seulement, après le président ukrainien Volodymyr Zelensky, fin annoncé que l'armée ukrainienne reprend contrôle à trois autres tibouks dans une région de la Russie dit qu'il y a annexé. Autorité régionale a rapporté une autre attaque à croquette puis dans la journée jeudi, mais on n'a pas aucun détail sur victime ou sur côté roquette latal tombé. Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky lance appel pour aller occidental et continuer à les bons moyens pour le défendre tête contre la Russie. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez, vous toujours sauvé au Creole, vous suivez un programme en langue créole. Ici, on parle immigration, hôtel sous frontière Mexique, état et sous frontière état mexicain, on a parlé de état Tamaulipas. Et bien, on commence à recenser plusieurs centaines d'immigrants qui arrivent sous frontière chaque jour avec objectif pour faire processus pour demander asile aux États-Unis. Jean-Aubert, il est définitivement mon pas cas de quitter ça. Il continue, il a persisté jusqu'à ce qu'il rentre aux États-Unis. Effectivement, Jacqueline, mon ne va pas aller gagner. Après, il vient faire tout ça. Il arrive là, il dit que devant porte paradis pour eux-mêmes, donc il parle faire bac. Il dit qu'il a prêté là jusqu'à ce qu'il arrive présenter carrément. Mais qu'on y a là dans Reynosa au Mexique, il y a une opération contre les immigrants qui commençait là justement pour arriver déterminer qui quand ces familles cap vivent bord fleuve Rio Grande. Dans le moment, d'après mon responsable, c'est chaque jour, c'est par centaines. Et immigrants arrivent sur frontière et ça a un problème parce que pas de côté pour les gens héberger. A veces siento que ya no va a poder más, pero pues los traemos a ellos y tenemos que salir adelante por ellos. Des fois, je me sens pas capable encore, mais je suis venu à Kyo ici là et je dois avancer pour plus devant pour eux. Déclaration à Azucena Hernandez Dominguez, une parmi les immigrants qui vivent sur frontière, Tamaulipas, acte exact avec famille. Azucena courut quitter Guerrero à cause de crimes organisés avec intention pour lui chercher refuge avec protection aux États-Unis. Niños más que nada por su seguridad de ellos es muy difícil porque nos estamos peut-être si mon saio avec sécurité. C'est difficile en pile pour moi peut-être m'a vivre dans la rue dans mauvaises conditions. Il y a un gros mouvement pour recenser plus passer 2000 immigrants qui vivent tout près fleuve Rio Grande pour capable connaître situation famille saio qui vivent dans ville Reynosa, ça va gagner longtemps. Están llegando entre unas 400 a 600 familias diario. Héctor Silva, directeur hôtel Senda de Vida, parle pour dire qu'il y a entre 400 à 600 familles qui vivent ici là chaque jour. Chissa vient ajouter sur une liste plusieurs milliers d'autres qui étaient déjà à vivre dans différents types d'hébergements avec espoir et capable de présenter demande asile devant l'autorité américaine. Monsieur Héctor Silva a ajouté immigrants qui puis concernés c'est Timon avec famille vulnérable haïtien yo dans tête liste presque 15 000 immigrants qui débarquent dans ville Reynosa. Directeur Hector Silva dit situation ça a mandé pour immigrants yo gagne pile patience. Idée recensement c'est pour calmer immigrants qui désespéré yo à cause dans jour qui passé yo bagaille était tête en bas. Yo était commencé un mouvement rébellion dans hôtel yo et puis marée bataille yo na clôt. Entre-temps, Azucena Hernandez Dominguez lui-même déclaré petit lio c'est deux principales raisons pour persévérer.
Sí, la verdad que sí. Y por eso no nos rendimos y aquí vamos a estar. Vérité, c'est ça. Saison nous pas abandonner. N'a pas été là pour nous lutter jusqu'à ce que nous jeunions bagaille qui puis bon pour yo. Victor Hugo Castillo t'est préparé reportage ça pour service espagnol là depuis McAllen, Texas et moi-même Jean-Robert Philippe t'est adapté pour VOA créole. Dans Washington DC. Merci Jean-Robert Philippe n'a parlé immigration toujours au coup d'appel fédéral ici aux États-Unis qu'imbé décision et un tribunal qui pas d'accord et en faveur des Dakar. Tant qu'on nous prend suivre là dans le reportage Serge François Michel. Il y a un tribunal coup d'appel fédéral décidé mercredi qu'il y a un programme qui protégeait des centaines de jeunes immigrants contre déportation, lit illégal. Mais il dit que monde qui enroulé qu'on y a la donne qu'a renouvelé statio et les retourner qu'à bah, y a un tribunal qui pi bas pour adapter la quelque nouveau règlement administration Biden. Yon panel 3 juges dans 5e coup d'appel fédéral là qui basé dans New Orleans et qui gagne tendance sitôt conservateur dit dans un document 46 pages li maintenu décision yon tribunal qui pi bas contre programme non qui relaie deferred action for childhood arrivals action pour retarder déportation moun qui était entré dans pays en ti moun. Administration Biden a publié nouveau règlement le mois d'août passé sous DACA. Nouveau décision gain pour en vigueur 31 octobre qu'à venir. Décision coup d'appel là, pas entrer dans le sentiment président États-Unis Joe Biden. Il y a un démocrate qui te dit, livré en chemin qu'à mener dans la citoyenneté américaine pour le monde d'Akayo, qui en pile le monde relais Dreamers, le monde qu'à rêver. Il y a un juge qui est basé dans l'État de Texas, Andrew Hannon, qui a déclaré l'année passée que DACA illégal. Mais l'ité quitté programme non intact temporairement pour monde qui déjà la donne. L'ité permet 549 000 monde DACA yo klimbe statio, mais il continue à bloquer nouveau application. Président Joe Biden dit en déclaration, décision coup d'appel l'a fait déçu. Il dit, pendant nous pouvons servir à Xoti qui nous mène pour nous quitter Dreamer et vivre, et puis travailler dans le seul pays qu'on connaît comme la CAIO, c'est pas aujourd'hui. Nous avons un congrès à passer protection permanente pour Dreamer. Et la dernière, il y a un chemin pour y arriver à la citoyenneté. Dans mois j'y ai passé, dans le tribunal fédéral 5e district, département de justice te défend Dakar. Il te mettait ensemble avec État New Jersey, quelques organisations qui défendent immigrants, qui ont une coalition qui gagne des douzaines de business, qui gagne pile pouvoir, parmi eux Amazon, Apple, Google et Microsoft. Il a dit que le monde d'Akayo grandit pour tourner à gens qui produisent dans l'économie États-Unis, qui travaillent et qui créent des jobs et qui dépensent l'argent. En plus, le monde pensait Dakar pour aller dans la Cour suprême encore, pour une troisième fois. En 2016, il était fini 4-4 en juge. En 2020, le tribunal suprême a déclaré que l'administration Trump a été mal fini Dakar, d'après avoir pas de suivre formalité fédérale. Ça qui te permet de programme de rester dans place. Serge François Michel, La Voix de la Mer. Merci Serge, et puis nous connaissons que nous dans la période et prix Nobel, nous allons parler de ça après ça, mais pendant ce temps, nous avons dit que dans le mondial football amputé dans le pays Turquie, et bien Haïti a calé Tanzanie 4-1 pour le qualifier pour demi-finale. Les gentils Augustin Junior a suivi de très près pour nous parcours sélection nationale haïtienne. Ça, c'est quoi ça? C'est tranquillité parce que nous avons une mission, nous avons une équipe. L'équipe nous, nous travaillons en pile. Après, nous avons pris l'envoi et nous avons des joueurs qui ont. Balthazar Pat va nous match, tout est besoin. Jodi Alba nous match là. Et il faut remarquer, l'équipe est tranquille. On a gagné l'esprit. Et changement nous, le monsieur répond et nous dit tout pour nous venir là, on vient goumer pour payer. Nous sommes l'équipe là, l'étape jouée en intensité, elle vient casser. Et rapidement, l'équipe a vient monter. Et je pense que tout le monde a constaté, nous avons une équipe qui est prête pour les venir pour défendre la compétition. Nous avons 22 ans pour la première Haïti, mais des objectifs là, c'est final lié. Bon, nous avons des droits de l'objectif là. Bon, on a travaillé, on a été motivé. Pour Fred Sorel, manager équipe là depuis 2010, qui suit tout parcours équipe ça, bail rendez-vous à la finale grâce à l'Éternel. Grâce à Dieu, nous sommes arrivés jusqu'au quatrième final. C'est la première fois que Haïti a fait quelque chose pareil. Et c'est d'abord on va rendre grâce au Seigneur. Parce que c'est lui qui a préparé le chemin. Alléluia. Pour nous.
Et nous sommes vraiment contents de louer le Seigneur. À la fois, on rend aussi un accès de grâce pour nos joueurs. Ils ont joué avec beaucoup de courage, beaucoup de force, malgré la situation chez eux. Ils ont surmonté le problème. On arrive ici jusqu'au grand stade. Et prochainement, j'espère que dimanche, nous serons le grand stade. Pourquoi pas? On espère dans la finale. Nous avons un saisissement parce que depuis le championnat a commencé, chaque monde noir qui entre dans le stade là sont haïtiens. Nous sommes là, nous avons un monde noir dévidé sur nous et puis. Bon moment crivé, nous ouais, c'est pas pour nous devenir, c'était pour Tanzanie. C'est la première fois que nous avons dit au challenge nous comme ça. La Turquie était fait ça déjà, oui, mais la Turquie était comme Lila Kaeli, nous pas saisir. Et comme c'est blindé, nous pas penser c'est pour nous devenir. Mais fois ça vraiment pas été nous. Bon temps pour qu'à rentrer dans le stade là, nous penser c'est pour nous. Et puis c'est Tanzanie couvert sur nous. Heureusement, souterrain, nous avons dit que l'équipe a été encore une fois à la hauteur. L'équipe a fait tout ça pour le faire. Nous roulons de Tanzanie et puis bon. Haïtien sa kap viv nan peyi tiki depi 4 lani, di ane sa pa gen wout pa bwa. Nous là pour nous bailler vocal nous pour Haïti. Nous là pour nous bailler tout nous-mêmes pour Haïti. Et vle pas vle pour Haïti champion. Donc, ce prochain sortie sélection nationale là, c'est avec pas Tanzanie, mais avec Angola. Et puis, prix Nobel littérature là, et bien là, joigne Française Annie Ernaux, qui c'est première femme la pays la France qui remporté prix ça, il a 82 ans et il écrit plus passé une vingtaine de livres. Tant qu'on dit invité nous aujourd'hui à notre troisième mi-temps c'est Karel Pedre qui sont grande figure médiatique haïtienne qui c'est directeur, producteur tout ça vle et son philanthrope tout. Donc c'est l'inap gain après-midi à notre troisième mi-temps. Merci pour attention, merci pour fidélité. Thank you Patrick, thank you Ben et nous dit tout le monde merci. Moi c'est Jacques Belizer.